tout le monde, c'est Nathanaël de la chaîne Arribouf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la formation du colza. Donc colza c'est une culture un peu particulière quand même. Je vais vous expliquer plusieurs trucs. Allez c'est parti, venez avec moi. En fait, le colza, c'est pas des graines directement sur le pied, c'est en fait dans des sortes de gousses qui s'appellent en fait des siliques. Donc c'est séparé en deux petits espaces avec plein de petites billes noires dedans qui sont les graines de colza. Le colza, c'est en fait des grosses pousses comme ça. Hop. Donc en fait, c'est comment dire un système racinaire pivotant, donc c'est à dire que ça va aller profond dans le sol. Je vais vous montrer, on va retirer un pied. Bon, la racine s'est cassée un peu vu que c'est très mûr. En fait ça va profond dans le sol, et ce qui est pas trop mal c'est que ça décompacte aussi le sol. Je vais essayer de vous en sortir une. Voilà, celle-ci un peu mieux. Voilà, ça c'est une grosse tige avec 2-3 radicelles dessus. Donc radicelles, c'est des petites racines, les tout petites fines. Alors vous allez me dire aussi, vous avez peut-être remarqué que le colza est très sale. Et donc en fait, c'est pas du bio quand même. Il y a eu des produits qui ont été faits quand même. Mais en fait cette année, c'est une année très humide et tout ça. En fait, il y a eu toutes ces adventices, donc mauvaises herbes, tout simplement parce que les colzas ont mis du temps à sortir. Et en fait, l'herbe, donc le régras, l'avoine et tout autre d'adventice, ont vite poussé par rapport au colza. Et donc, le colza n'a pas pris l'avantage forcément sur les herbes. Donc regardez là. Cet endroit là vous allez voir, c'est un petit peu un désastre. Donc vous voyez, il y a un pied par ci par là, beaucoup de régras couchés par terre, hein. On voit donc tous les colzas vont recevoir un coup de broyeur. Et en fait là dans tout ça, je vais vous montrer, il y a un passage, puis là bas au fond ça va quand même loin, et il y a la fourrière qui était faite aussi. Et là, et ben en fait il y a eu même pas une trémie. Oui, c'est un peu un désastre aussi niveau graines, il y a presque rien dedans. Donc je vais vous expliquer pourquoi en fait dans le colza en cette année c'est un peu partout pareil, c'est des mauvaises récoltes, il n'y a pas beaucoup de rendement et tout ça, même si même dans les bonnes parcelles tout ça c'est moins bien. Alors en fait le colza c'est une plante qui n'aime pas la flotte, donc la pluie et tout ça, donc l'eau. Et cette année, ça y a beaucoup plu, et du coup, en fait, le colza, on va dire qu'il pourrit quand il baigne dans l'eau. Donc, s'il baigne dans l'eau, c'est pas terrible. Bon, il y a 2-3 zones là, dans le champ où ça va pas trop mal, mais sinon, c'est enfer de part. Donc, on va faire le tour un peu de ce qu'on... On va essayer de trouver 2-3 adventices. Je vais vous montrer ça. On va aller voir ça. Alors là, on voit, c'est du coquelicot. Ah. Donc on voit ils ont plus les feuilles, j'allais dire les pétales. Hop. Donc voilà, il en reste 2-3, mais rien de ça. Donc ça c'est pas dérangeant en fait, parce que vu que c'est sec, ça passe pas trop mal dans la voiture, qu'est-ce que je raconte moi, dans la moissonneuse plutôt. Donc voilà, c'est plus ce qui est vert qui va être dérangeant. Ensuite nous avons le régras, donc je vais vous montrer le régras. Donc pareil, le régras bâtard, le colza est sec, c'est pas trop dérangeant, mais ça bourre quand même la moissonneuse, enfin ça bourre pas, mais comment dire, elle a un peu du mal. Donc on voit, il y a du vulpin aussi, regardez là en fait, ça c'est du vulpin qui est déjà égrené là, donc il n'y a plus les grains dessus. Et il y a aussi
de la folle avoine qu'on peut voir là. Donc tout ce qui est sec, ça va, c'est pas le pire. Le pire, c'est ces petits enfoirés là. Oui, là c'est petit. Ça s'appelle du liseron. Et en fait, vous allez en retrouver pas mal. Là, on a pas mal dans le colza. Regardez là, hop. La parcelle la pire, c'était une parcelle qu'on a fait hier. Donc la parcelle la pire, c'était une parcelle qu'on a fait hier. Et en fait, il y a pas beaucoup, y a énormément de liserons. On a même failli bourrer la coupe de liserons tout le long de la vis du milieu. Et donc, on a galéré parce que il a fallu que ça parte, mais on n'est même pas descendu au final pour retirer. Ça allait, mais c'était un enfer quand même. Et surtout, en fait, dans le colza là-bas, j'ai pris 2-3 plants. Et en fait, là-bas, il y a beaucoup de thé de betterave. Bah, et donc, du coup, avec le lison et les betteraves et 2-3 petites plantes vertes, bah, ça donne énormément d'humidité au colza. Et on était à 13 d'humidité, ce qui est trop, parce que normalement, il faut 9 maximum. C'est trop et oui on perd beaucoup en prix sur le colza. On n'est payé que la moitié de ce qu'on devrait être payé, quoi. Alors là en fait dans cette parcelle c'est parsemé de betteraves en fait. Donc là vous pouvez regarder là, il y a une betterave. Et en fait pourquoi il y a ces betteraves là? Tout simplement en fait les betteraves montées bah n'ont pas été faites pendant un petit moment. Alors ce qui a fait que maintenant bah, les graines qui étaient en terre bah, on les retrouve là. Vous voyez là encore un pouce de betterave, même un pied de betterave monté. Ça c'est un pied de betterave monté là. Voilà. Avec ces graines de betterave. Bon, les graines sont pas encore faites là. Dessus, ils sont encore en fleurs. Comme vous voyez encore de la betterave là. N'importe quoi. Ah là, tous les pieds là. Tout ce qui est comme ça là. Ça fait une sorte de triangle là, enfin c'est pas vraiment un triangle mais graines de betterave montées, ça fait des petites étoiles là. C'est ouais, bah, c'est très dégueulasse on va dire. Il y a un été dans cette parcelle là, il y a un jour, enfin non, il y a 2-3 jours on était à 25% d'impureté, 25% d'impureté on était il y a quelques jours. Mais là ça allait mieux, mais là on est arrivé dans la partie vraiment où c'est l'enfer. Donc là vous voyez. Ça, vous allez me demander ce que c'est. C'est pas compliqué. En fait, vous allez dire que c'est très bizarre au niveau des feuilles et tout ça. C'est en fait du colza. Et donc, là, on peut voir les fleurs jaunes. Et en fait, c'est du colza qui est tombé quand elle a commencé à avoir des graines. Et alors, ce qui est très bizarre quand même, ça arrive assez rarement. Mais du coup ça a repoussé vite fait, mais du coup ça fait pas de grosses feuilles de chou comme on pourrait voir. On peut voir d'ailleurs c'est que la moitié, ça part du plant de colza. Là regardez. Hop. Là. Ça part ici. Donc c'est très bizarre parce que là regardez. Hop ici. Il y a du mûr. Et ici du colza pas mûr encore. Donc c'est très 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 particulier. Donc là vous voyez, on retrouve encore. Bon, c'est rare, on va pas voir trop. Je vois un liseron là-bas, on va aller voir ce que j'ai. Là, vous voyez, un bon exemple de liseron. Là, vous voyez les petites feuilles vertes, tout ça. Et en fait, ici, ça s'en mêle tout autour du colza et tout ça. Et en fait, ça reproduit la même chose sur la barre de coupe. Et donc, c'est très embêtant vu que ça bloque. La barre de coupe et tout ça, on est bien regardé avec. Donc le colza, faut comment dire, la moissonneuse, faut la modifier un petit peu. Donc en fait, on va rajouter une coupe à colza devant. Donc en fait, ça prolonge la coupe normale. Et vu qu'en fait le colza, on le coupe assez haut, et bah les doigts les sections, donc ce qui permet de couper, en fait, sont inclinés un peu vers le bas. Comme ça, quand on enlève la coupe, donc la coupe normale serait faite comme ça. Et la coupe à colza, ça fait comme ça. Et du coup, ça permet de rester droit. Et aussi, sur la coupe à colza, on a deux scies à droite et à gauche qui permettent en fait d'éviter d'arracher le colza vu que le colza, ça s'en mêle un peu entre eux. Et donc, ça évite des pertes et de l'égrenage et tout ça un peu partout dans le champ. Ce qui est pas trop mal parce que du coup, ça augmente pas énormément le rendement. Enfin,
un petit peu quand même sur un certain nombre d'hectares. Mais aussi ça évite d'avoir des repousses. Ça c'est plus important je pense, d'éviter les repousses. Donc aujourd'hui nous sommes avec le Classe RS 657 ATZ avec une 12 tonnes 5 derrière campagne. La campagne, pardon. Hop. Ah oui. Je vous montre un petit truc aussi dessus. Je vais expliquer un peu. La clim, enfin déjà, on va commencer par le commencement. Vous allez me dire, c'est tout démonté. Oui, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, la clim ne marche pas. En fait, on sent le frais, mais l'air ne vient pas. Tout simplement. Parce que Classe a fait un vieux radiateur devant la clim. Un petit radiateur derrière nous tous. Je vais vous montrer ça, regardez. Hop là. Et en fait, bon, on a retiré un peu déjà, mais faut qu'on finisse. Donc là, on voit derrière ces bois et de poussière et de terre devant le radiateur. Et du coup, l'air ne passe plus dans la clim. Et ça, c'est un problème parce que du coup, on a un peu trop chaud. Parce que surtout sur la route, on peut pas ouvrir les portes. Enfin, on a trouvé un petit arrangement avec les rétroviseurs pour bloquer... pour bloquer tout simplement la porte. Et donc aussi il y a le 956 XL. Hop. Bon, celui-là la clim ça envoie de l'air, mais ça rafraîchit pas trop, enfin c'est quand même, mais on a quand même les ouvertures qui sont pas mal avec la Le Bouche 9 tonnes. Voilà, donc voilà, la moissonneuse arrive, vous allez la voir, je vous fais un zoom dessus. Voilà, la moissonneuse est arrivée là. Elle va pas tarder à arriver.